Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo. Dans cette vidéo, on sera en patrouille CSI sur le serveur de Monsieur Super à Marfor Life. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. J'ai oublié de le mettre sur le dock. Ah bah c'est déjà fait en fait. Il y avait juste quelque chose qui je vais noir, quelque chose qui. Ah oui c'est ça. Descendre vite s'il vous plaît, merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur de la CSI, j'ai toute autorité à fouiller toute personne sous liste sans motif valable, c'est le motif de mon contrôle. Vous êtes tout seul, non? Vous pouvez passer vite sur le véhicule hospitalier du équipage de l'hôpital de Falchurch. Ah merde, ça va, j'ai oublié. Je vous demanderai juste au passager d'attendre à l'arbre qui est là derrière, s'il vous plaît, merci, je viendrai vers vous par la suite, vous inquiétez pas. Donc monsieur, vous pouvez me présenter déjà une pièce d'identité, un permis de conduire, une carte grise. Le permis de conduire bien un jour, ok. Monsieur Michel Herty, c'est bien ça? C'est bien ça. Okay. C'est votre véhicule, monsieur Herty? Oui. Oh, j'ai le jaune, ça je vois que vous avez. Vous avez un triangle à me présenter? Affirmative. Vous voyez? Ouais, je vais vous déjà le ramasser. Okay. Je vous demande de mettre les mains contre le véhicule, s'il vous plaît. Ne bougez pas, j'ai fait une fouille. Rien de dangereux ou d'illégal à déclarer. Négatif, vous pouvez y aller. Okay. Okay. Je vous demande de rester à côté de votre véhicule. Je vais voir votre collègue. Vous pouvez baisser les mains. Monsieur, bonjour, vous pouvez me présenter s'il vous plaît une pièce d'identité. Erwan Charcot, ok, je vous entends pas monsieur Charcot. Vous entendez pas? Ah, maintenant je vous entends. Okay. Je vous demanderai de vous mettre les mains contre le mur monsieur Charcot, je suis de la CSI, j'ai toute autorité à fouiller toute personne sur liste sans motif valable. Quelque chose dangereux ou d'illégal, ah, je vous soigne déjà. Vous avez une blessure? Fin de scan. Ah, du coup. C'est vrai. Ouais, donc fin d'intervention. Quelque chose de dangereux ou d'illégal à déclarer? La personne s'est excusée. Donc on reprend pas trop normal. C'est Alpha de scan. En attente. Ok, vous avez un gilet jaune à me présenter, monsieur Charcot? D'accord. Ok, vous restez près de l'arbre, s'il vous plaît. Transmettez pour celle-ci. Est-ce que vous pouvez me voir le niveau du pont d'accès de traitement de bois, s'il vous plaît, pour contacter la sécurité pour avoir plus d'infos sur ton message dispatch? Ouais, je termine le contrôle et j'y vais après dessus. Ouais, vous avez un deuxième gilet jaune à me présenter, monsieur, s'il vous plaît? Négatif. Okay. Donc, je vais vous verbaliser pour la non-possession du deuxième gilet jaune. Oui, allez-y. Donc, c'est une amende qui équivaut à 5000 euros. Est-ce que vous êtes en moyen de le payer? Oui, allez-y. Je vais signer le procès verbal. Là, je, okay. Je vous rends vos papiers, vous pouvez circuler avec votre ami. Je lui rends ses papiers, je peux lui dire qu'il revient ici. Je vous rends vos papiers, vous pouvez y aller monsieur, bonne journée à vous.
véhicule en plein milieu d'un pont. Puis non plus la vie de sécurité. Scarde Alpha. Oui, demandez à Ceci de passer 150 s'il vous plaît. C'est suivi pour CSM. C'est suivi. Commandant Reaper du Brigade du Mauvais. Oui. Oui, bonsoir, c'est juste pour vous informer, si vous partez sur l'X-Side, il ne faut pas passer par Paradis, le pont est cassé. Moi, ça aussi, merci. De rien, merci. Bonjour. Ah, du coup, ces véhicules-là, il y a un peu qu'il y a deux messieurs qui m'ont abandonné au milieu de la route. Oui. Et après, ils sont partis au tunnel de Wachou, ils ont jamais appelé des familles, ils sont pas dans la... D'accord. Ils ont parti, ils ont pris quoi comme véhicule? Volvo. Volvo Long. D'accord. Le véhicule était ouvert quand ils l'ont laissé ou? Non, il était fermé, cassé, moteur levé. Il y a un monsieur habillé tout en noir, il y a un monsieur en conservé. Mec, c'est quoi la voiture? Le 90, c'est ça? Brad Cohen. Monsieur le dépanneur pour la facture, monsieur Brad Cohen. C'est lui le propriétaire du véhicule. Okay. Et elle est abandonnée comment le véhicule Là, comme c'est pas de pied, mais au milieu d'une voie ou au milieu des deux voies? Au milieu d'une voie, ok. D'accord. Oscar, tous les hystèques, tu vas à la recherche de Ruby Madraza pour canulaire téléphonique sur le 17. Ok. Sud Alpha. Bon, bah c'est bon pour moi, le propriétaire pour la récupérer, le véhicule.
Cependant, il devra vous payer la facture. Vous avez une localisation du dernier appel? Voilà. Merci messieurs encore. Bonne journée. Au revoir. On va attendre back. Donc dans ce cas, l'appel venait de Sunita. Merci pour la patrouille back up. Ouais, ouais, merci. Il vient d'avoir M. Madraza qui vient de parler en direction de l'Union au niveau du quartier résidentiel. C'est juste en capacité de l'interloquer ou pas? Vous la ferez donc. Vous laisserez faire et mettre la montre au camulaire du coup. Alors c'était Oscar de Cessy. De Cessy, donc le véhicule était au milieu de la route, a été pris en charge par les dépanneurs, propriétaire du véhicule, monsieur Brad Cohen. Je l'ai inscrit sur Interpol pour stationnement gênant. C'est suivi d'Oscar. Donc Cessy de nouveau disponible. On vient de l'interpeller, ils sont en train de contacter tous ses collègues, on vient de partir. C'est suivi, vous avez besoin d'une unité ou pas? Pour information, on part direction le commissariat, pour le moment affaire résolue. Hein. C'est suivi de ce cas.
Et vous continuez jusqu'au parking de la prison, s'il vous plaît. Vous allez au parking de la prison, le parking qui est devant vous à droite. Bonjour monsieur, je suis... Oui. Je vais pas vous mentir, j'ai des petits problèmes de cerveau. Oui. Et du coup, bah, c'est marqué en plein soleil. Bon, c'est pas grave. C'est pas pour ça que je vous arrête, monsieur. Monsieur, je vous arrête parce que je suis de la CSI, j'ai toute autorité à fouiller toute personne sur liste sans motif valable. Vous pouvez me présenter, s'il vous plaît, une pièce d'identité. Je suis de la CSI et j'ai toute autorité à fouiller toute personne sur liste sans motif valable. Vous pouvez me présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît, un peu à me conduire, une carte grise. Thomas Hans. Ok. Vous pouvez me conduire, s'il vous plaît, monsieur Hans. Vous pouvez me conduire bien à jour. Ok, c'est votre sprinter ou ça appartient à quelqu'un d'autre? C'est à vous, ok. Alors, si la plaque correspond par rapport à la carte grise. Laissez votre téléphone tranquille, s'il vous plaît. Laissez votre téléphone tranquille. Ok. Vous pouvez me représenter votre pièce d'identité? Ok, c'est juste. Ça correspond. Vous avez un triangle et un gilet jaune à me présenter, s'il vous plaît? Ok, vous pouvez déjà ramasser votre triangle. Transportez quoi dans votre camion? Ne regardez pas ce qu'il y a dans votre camion, monsieur. Vous êtes censé savoir ce qu'il y a dedans. Monsieur. Oui, mais je ne vous ai pas demandé de ranger votre gilet jaune. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous transportez dans votre camion. Des choses illégales. D'accord. Quoi comme choses illégales? Du cannabis. Ok. Je vous laisse mettre les mains contre le véhicule. Je fais que je ne fouille sur vous. Vous en avez sur vous du cannabis? Bougez pas. D'accord, vous avez 22 feuilles de cannabis sur vous. Si j'en compte bien, si je compte bien. Ok, vous retournez, vous passez les clés de votre véhicule, s'il vous plaît, au 2589. Comment? Vous passez les clés de votre véhicule, s'il vous plaît, au 2589. De mettre les mains contre le véhicule, s'il vous plaît. Donc monsieur, il est 10h13, à partir de maintenant vous êtes placé en garde à vue. Tout ce que vous direz pour être retenu contre vous, vous avez le droit de demander l'assistance médicale au commissariat, vous avez le droit de demander à boire et manger. Cependant, il n'y a pas d'avocat d'officier sur l'île, donc vous ne pouvez pas en demander. Est-ce que vous avez compris vos droits? J'ai pas besoin de vous dire le motif de votre garde à vue. Okay. Je vous laisse aller vers le véhicule de police, s'il vous plaît. Attention à votre tête. Oscar de CSI. Est-ce que vous avez une unité de disponible? Pour le moment négatif. Ok, c'est bien reçu, donc je prends en charge le contrôle total. C'est sûr, est-ce que... Tout
Dépanneur de police. J'aurais besoin d'une dépanneuse pour faire remorquer un sprinter sur le point DP de police niveau prison. Ok, bien pris. Je peux avoir un temps estimatif pour la dépanneuse 10 minutes si ça vous va. Bah, je vais attendre. Merci. Vous alliez où avec ça, monsieur? Vous allez le déposer où? J'ai pas entendu la fin de votre phrase. À une personne, d'accord. Et elle habite où cette personne? Non, elle habite où cette personne? Ah. Vous les allez déposer une personne, mais vous savez pas où vous allez. Déposer à quelqu'un mais il sait pas qui. C'est quand même bizarre ça. Alors, par contre avant le bruit que j'ai entendu l'explosion, bon, je me demande si c'est pas le camion et l'espèce de pick-up qui suivait l'un derrière l'autre. Ou alors peut-être au QG dire, vu que c'est à côté. Et notre camionnette. On est un peu vite celui-là. La plaque, bon, on peut pas prendre la vitesse en charge. Donc, je suis pas de RI, là j'ai jumelé RI parce que c'est une façon de parler par rapport à des problèmes gouvernementaux au cas où pour les métiers. C'est rare que je le prends, que je prends en compte la vitesse si c'est vraiment flagrant et c'est que c'est la troisième fois qu'on voit le même dépanneur faire la même chose. Là, par contre, je garde mon armement. Scandale. Du coup, fin de contrôle total pour patrouille Alpha. Donc, je demanderai pour toutes les patrouilles, le prochain qui croise Monsieur Madraza et qu'il est en comportement type maladie du troll, je vous laisserai faire le nécessaire, s'il vous plaît. Celui d'Oscar, pardon, c'est celui pour les autorités. Celui de ceci. Et reçu de Michael. Celui de ceci. Fin de service du Vegas Weber, t'es vraiment bonne soirée, t'es bon service. Bonne soirée du tout. Bonne soirée, par contre, pas de familiarité sur la radio, s'il vous plaît. Le type chouchou. Bonne soirée, par contre, pas de familiarité sur la radio, s'il vous plaît, du type chouchou. Monsieur, je fais pas de l'ERI.
est-ce qu'il y a un disponible pour qu'on voit habitation? Ouais, c'est. Ils veulent des panards. Carte celle-ci. Transmettre. Vous transportez qui en prison? Madame Kipa. C'est bien reçu, j'ai une voiture coupée orange qui allait direction prison au niveau parking. Ah, c'est suivi, on va aller jeter un mec. Bonjour, je prends une pièce d'identité s'il vous plaît. Monsieur Julien Henault. C'est quoi votre IB, monsieur Henault? 69-91. Je passe les clés du sprinter qui est juste devant moi là. Ça sera à faire ramener au commissariat s'il vous plaît. Celle-ci. Transmettre. Celle-ci en contrôle total à partir de maintenant. C'est sûr. Oscar, coupe-feu, Vanderbilt. Transmettre. Ouais, on a un véhicule qui vient de nous percuter frontal, qui est parti en délit de fuite, on a dû l'abattre. Hein. Il est passé également dans l'accident, il a failli percuter un SP. Continuez la sécu. Oscar, on s'est fait tirer dessus à l'arme lourde au niveau du convoi.
Il y a un sprinter bleu nu qui arrive sur Vanderville, vous pouvez le contrôler pour lui. Enfin, j'ai limite détruit. Ouais, c'est suivi, ça va être chaud là parce qu'on essaye de gérer avec la planche qu'on a abattue. Ouais, c'est suivi. Allez, vous me suivez s'il vous plaît. Vous êtes déjà rentré, allez-y. Se rentrer dans la cellule. Okay. Je vous laisse vous retourner que je puisse vous démunoter. Retournez-vous s'il vous plaît que je puisse vous démunoter. Merci. Allez me déposer donc tenue, sac, casquette au sol s'il vous plaît. Lâche avec si vous le déposez au sol. Je vous laisse. Oui, vous inquiétez pas, je vais pas vous laisser dire. Je vous laisse aller vers le mur. Merci, vous regardez le mur. Ok. Ok. Je refais une palpation. Patrouille escarte de nouveau disponible. Suivez d'Alpha. Vous pouvez reprendre vos affaires déjà. Vous pouvez reprendre vos affaires. Thomas Hans, vous n'êtes pas recherché. Okay. Ok. Vous me passez les 22 feuilles de cannabis que vous avez sur vous au 2589 s'il vous plaît. Téléphone, vous allez dans le menu inventaire, vous sélectionnez là où il y a 1, vous marquez 22 et en dessous vous prenez l'UID 2589 et donnez. Non, non, en dessous encore. L'individu qu'on a abattu, monsieur Marco Audin, donc pour information, il vient de faire une balise. Les sapeurs-pompiers vont le prendre en charge. C'est sûr. Comme que je n'ai plus sur vous. Ok.
Donc, monsieur, ce qui vous est retenu, c'est le trafic de drogue. Par rapport au code pénal. Est-ce qu'il y avait une patrouille qui aurait envoyé récemment monsieur Louis Ancelin en prison? Négatif pour vol. Trafic de drogue, donc c'est 400 000 euros plus 10 ans d'emprisonnement. Négatif pour OCC. Donc, est-ce que vous êtes déjà en moyen de payer les 400 000 là? Vous pouvez vérifier, pas de soucis. Ok, je vais signer le procès verbal. Ok, donc votre véhicule, bien sûr, est pour l'instant saisi jusqu'à la prochaine tempête. Vous ne pourrez pas le récupérer après la prochaine. Enfin, vous le récupérez après la prochaine tempête dans votre garage. Et vous avez 10 ans d'emprisonnement, monsieur. Je vous laisse vous retourner. Je vais faire appel aux agents de sécu. Pour que c'est eux qui vont prendre en charge votre transfert pénitentiaire. Non, le permis n'est pas retiré, monsieur. Vous n'avez pas fait une infraction par rapport à votre conduite, mais par rapport à la drogue. Agent de sécu de police. Transmettez. Est-ce que vous auriez une unité pénitentiaire de disponible? Je me renseigne. C'est bien, ensuite je l'attends au commissariat. Terminé. Vous n'avez pas besoin de boire ni de manger, monsieur Hans? Ok. Je vais m'occuper pour l'instant, voir avec votre camion, pour avec les personnes de la saison. De ce je sais quoi. On vient de recevoir un appel dispatch d'un ambulancier où il a entendu quelques individus parler d'un éventuel braquage sur de la Brinks où ils ont deux fréquences également. 221.1. Très bien reçu, je vais me mettre en écoute dessus. Je vous tiens au courant. C'est suite pour information, il nous a prévenu qu'il changeait également régulièrement de fréquence, mais il serait pas très malin parce qu'il passerait sur 221.1 puis après 221.2 et etc. etc. Thank you.
Attends les agents de sécu. Il y a plus de temps dans l'attente que faire du RP. Monsieur Lanceau, me suivez, il y a les agents pénitentiaires qui sont en train d'arriver. Je vais sortir de la cellule. Bonjour monsieur, ne bougez pas monsieur, je vais des minutes créer. Je vous laisse mettre les serflex à monsieur. Je vais le coller. Je vais mettre les bracelets. Donc monsieur il en a pour 10 ans. Ah ouais, il a pas fait semblant. Non, 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 logique pas du tout. Bonne journée, monsieur. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube en espérant vous revoir ou en espérant que vous regardez d'autres de mes vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.